Next up, we have two sisters, Nora and Emma Brown, presenting their project titled Manipulation. Welcome on stage. Hallo, Entschuldigung. Hallo, mein Name ist Emma und das ist meine Schwester Nora. Und be part of the education against the manipulation. Die Definition: Der Manipulator beeinflusst zum eigenen Vorteil. Das Opfer kriegt das in der Regel nicht mit. Dies wird in der Politik, Soziologie und Psychologie untersucht. Hier haben wir ein Schema, was den Unterschied zwischen einfacher Beeinflussung und tatsächlicher Manipulation genauer erklärt. Unsere Ziele bei dieser Recherche war vor allem die Frage, wieso Leute immer wieder Dinge tun, die sie eigentlich nicht wollen, wie zum Beispiel Kriege, und wie Leute das erreichen und auch unsere Welt wird immer mehr von sozialen Medien vorregiert und diese versuchen uns auch zu manipulieren und wir wollen vor allem aufklären, damit dieses Risiko geringer wird. Jetzt werden wir zu den Formen der Manipulation gehen. Die Manipulation durch Wiederholung. Das Gehirn empfindet die wiederholten Sätze oder Musik oder Bilder als wichtig. Es kann als Mantra zur Gruppenstärke fungieren, wie zum Beispiel ein Slogan. Die Manipulation durch scheinbare Wahl und Kompromiss. Das Opfer glaubt, einen guten Deal zu begehen, doch der Manipulator hat die Entscheidung meist bereits getroffen. Der Manipulator gibt dem Opfer eine Wahl zwischen einer vermeintlich guten Sache und einer Sache mit einem klaren Nachteil. Manipulation durch Angst und Einschüchterung. Sie wird häufig in Diktaturen benutzt. Man erstellt ein angsteinflößendes Feindbild. Dadurch wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt, jedoch auch eine größere Abhängigkeit geschafft. Dies wird vor allem durch Propaganda und Gehirnwäsche gemacht. Manipulation durch Information. Entweder ist die Person falsch informiert oder gar nicht. Manipulation durch Sprache. Der Manipulator ändert seinen Ton oder seine Sprechweise. Wenn er gebildeter spricht, lässt er die Dinge nach mehr erscheinen, als sie sind. Währenddessen ein gelangweilter Ton und eine alltägliche Sprache Dinge immer schlechter dastehen lassen. Manipulation durch Erzeugen von Bedürfnissen. Die Manipulation bringt nicht vorhandene Verlangen hervor. Und dies wird häufig in Werbungen und sozialen Medien benutzt. Kennen Sie nicht auch dieses Gefühl? Dann gibt es noch die Manipulation durch Belohnung und Bestrafung. Belohnung wird durch Lob geäußert und währenddessen Kritik und Ignorieren und das Erzeugen von Schuldgefühlen als sogenannte Bestrafung benutzt werden kann. Man nennt das auch Konditionieren. Man verbindet ein bestimmtes Verhalten entweder mit positiven oder negativen Gefühlen. Es wird ebenfalls in der Erziehung benutzt. Außerdem gibt es noch einen kleineren Bereich, den man als Reziprozität bezeichnet. Hierbei glaubt man, der anderen Person einen Gefallen erwidern zu müssen. Manipulation durch soziale Bewährtheit. Der Wunsch nach Anpassung aus Angst aufzufallen wird hierbei vom Manipulator ausgenutzt. Er äußert eine Meinung und lässt es so wirken, als wäre es eine allgemeine, als gäbe es ein allgemeines Einverständnis. Das verunsichert das Opfer so sehr, dass es zustimmt und es wird ebenfalls als Mitläufereffekt bezeichnet. Jetzt gehen wir zu den Beispielen im Alltag. Filme könnte man durchaus als Form der Manipulation bezeichnen, da sie uns zu Klischees manipulieren im Bereich von Rassismus oder Sexismus. Außerdem unterstützt das Pentagon Filme, die die Idealisierung von Soldaten enthalten.
und sie entscheiden, wer der Böse in ihren Filmen spielt. Wir haben hier einen kleinen Manipulationstest, damit man leichter erkennen kann, wann man manipuliert wird. Weiß ich, was mein Gegenüber will? Wiederholt er sie bestimmte Sätze, gibt er sie dir die Wahl zwischen einer vermeintlich guten Sache oder einer Sache mit einem klaren Nachteil? Habe ich ein schlechtes Gefühl nach unserer Unterhaltung? Ändert er während des Gespräches seine Sprechweise oder möchte ich dazugehören? Hier könnt ihr noch eine Mindmap der Manipulation sehen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bonjour mademoiselle. Bonjour, bonjour. Donc on est très content de vous recevoir ici. C'est votre première participation, je crois. Oui, oui. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a convaincu de participer au concours ? C'est intéressant qu'il y a un concours qui est un peu pour tout, pas seulement les sciences naturelles, mais aussi comme notre projet, les sciences humaines. Oui. Et c'est, je crois, un des seuls concours oui, qui vrai. A... C'est vrai. En fait, donc on envoie aussi beaucoup de jeunes à l'étranger, mais on a remarqué qu'on est un des rares en fait, pays à proposer Humanities, les sciences politiques, etc. dans le concours. Et c'est vrai que d'habitude, c'est un peu plus rare. Ouais, ouais. Et ce sujet de manipulation précis, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a déclenché, une lecture ou un reportage que vous avez vu ou un événement dans, dans l'actualité ? Je pense à l'école, on parle parfois aussi sur la manipulation. Mm-hmm. Donc, on a pensé que c'est intéressant et donc on a choisi ce thème. Ok. Est-ce que vous avez, vous pouvez parler rapidement de vos conclusions. Qu'est-ce que vous avez trouvé avec votre projet ? Nous avons, je crois, trouvé qu'il y a beaucoup de possibilités comment on peut manipuler une personne oui. aussi sans être remarqué. Oui. Et c'est important de bloquer ça, oui. Et comment est-ce qu'on bloque ça ? J'imagine que c'est par l'éducation. Oui, et ce qu'on veut que les personnes remarquent qu'ils vont... Oui, qu'ils sont manipulés, oui. Oui, oui. D'accord, donc en leur expliquant remarquer. Un petit peu comment les mécanismes oui. fonctionnent, on peut peut-être prévenir que les personnes soient manipulées à la suite, oui. C'est ça. On parlait d'éducation, tu as dit que peut-être ce serait quelque chose pour toi comme carrière oui. De travailler dans l'éducation, oui. 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 Et toi, tu as dit... Je voulais faire quelque chose avec les langues. J'aime bien les langues, et oui. D'accord, ok. Et donc, bon, vous avez participé au concours pour la première fois. On a fait avec vous, je vous le disais en off ici tout à l'heure, un petit séminaire en fait aussi pour apprendre à présenter sur scène, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous y avez vu, comment c'était ce séminaire ? On est arrivé là et on a fait des... comment on présente et comment on se... comment on vient sur scène et... Könnt ihr auf Luxemburgisch, wenn die Wörter nicht kommen, hein? Oui, d'accord. Oui, oui, la posture. Oui. On vous avait fait aussi répéter comment on tient un microphone. C'est vrai qu'en général, les premières fois, c'est un petit peu bizarre. Mais maintenant, ça va, non? Oui. Une fois que c'est fini, ça va de toute façon. Oui. Ok. Est-ce que je vous ai déjà posé aussi en off la question, mais est-ce que vous pensez que vous allez revenir l'année prochaine ? Je crois que oui. Est-ce que vous pensez que ce sera avec un projet similaire ou quelque chose de très différent ? On n'est pas encore d'accord sur le projet. Ah, mais... deux teams différentes alors ? Oui. Oui. Ah, c'est possible ça. On a eu, l'année dernière, on a eu des triplettes qui ont travaillé sur un projet ensemble, Drillingen. Et cette année, elles sont revenues toutes les trois, mais chacune avec leur projet différent. Donc, ça permet aussi de voir un petit peu. Mais oui, le travail ensemble s'est bien passé en équipe, hein ? Oui. Ouais, un bon partage des tâches ? Oui. D'accord, ok. Et si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui n'a pas encore fait le concours, mais qui est peut-être intéressé pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors, je dirais surtout de participer. C'est oui. une bonne expérience et c'est surtout intéressant car
C'est intéressant car la recherche, ce n'est pas aussi compliqué qu'on le croit. D'accord. Et c'est aussi, oui, une bonne expérience et on apprend plus sur... Oui, je pense aussi, c'est des petites choses, mais c'est vrai que ça permet de voir aussi ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Ça permet aussi de se retrouver une première fois sur scène, parce que si on fait un peu de recherche, on risque de se retrouver souvent sur scène. Et oui, voilà, ça permet aussi d'apprendre de nouvelles choses, etc. Donc nous, on est en tout cas très contents de vous avoir pour la première année ici. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Les gens auront encore la capacité demain, on va avoir du public luxembourgeois qui va venir sur votre stand et qui va peut-être vous poser des questions sur la manipulation. Donc, s'ils veulent vous poser un peu de questions, vous serez présente, j'imagine. Et puis, normalement, maintenant, le concours est fini, c'est le fun qui commence. Donc, oui. À partir de maintenant, il y a les awards qui vont arriver après Expo Science. Donc, tout va bien se passer. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci. Et puis, voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Attendez.